Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du CHAM 2020 avec cette dernière table ronde ce soir de cette première journée du CHAM 2020. Ravi et très honoré de participer à cet événement qui est un des plus importants évidemment dans le domaine de la santé. Alors, quelle finalité pour les entreprises publiques et privées dans notre système de soins français, bien entendu. Voilà le thème que Guy Valencien et les équipes du CHAM ont choisi de traiter dans cette dernière table ronde avec un plateau que je vais vous présenter immédiatement, assez exceptionnel, vous allez le voir, avec ceux qui comptent dans l'ensemble finalement de la chaîne de soins, en tout cas parmi ceux qui comptent le plus dans cette chaîne de soins en France. Et d'abord, pour commencer, il sera le seul représentant du service public, mais pas seul contre tous, je l'espère tout de même, c'est Marc Penaud, bonsoir. Bonsoir. Marc Penaud, vous êtes vous le directeur général du CHU de Toulouse, vous travaillez aussi dans l'équipe qui essaye de réfléchir sur l'ensemble de l'avenir et des circonstances dans lesquelles travaillent les CHU. C'est la conférence des directeurs généraux des CHU et vous êtes vice-président de cette conférence et vous êtes même patron d'une des commissions sur l'innovation et la recherche. Vous y reviendrez dans un instant. Le CHU de Toulouse que vous dirigez, c'est combien de collaborateurs, combien d'établissements ? Alors le CHU de Toulouse, c'est près un petit peu plus de 15 000 collaborateurs. C'est un budget d'1,3 milliard d'euros annuels. Et puis c'est deux très gros établissements qui sont très connus, Purpan et Rangueil. Et les patients, parce qu'au fond, pardon, j'ai oublié les patients. C'est combien de patients par an ? Combien de patients ? Près de 300 000 séjours hospitaliers. Et puis un petit peu plus de 850 000 consultants par an. Je parle d'une année normale. Alors, face à vous, au sens propre et au sens figuré, celui qui est à la fois votre concurrent et votre confrère, Thierry Chiche, vous êtes Thierry Chiche, le président d'Elsan, un des deux leaders de l'hospitalisation privée, des cliniques privées en France. Là aussi, combien d'établissements, quel chiffre d'affaires, combien de salariés ? Alors bonsoir à tous, on est d'abord confrères, hein, je le précise, c'est important. Elsan, c'est 120 établissements de santé en proximité partout en France, avec 25 000 professionnels qui exercent au sein des établissements, 6 500 médecins libéraux. Et on traite, on prend soin de, en moyenne, 2 millions de patients chaque année. Bon, alors on reviendra sur cette dimension confrères concurrents dans un instant, bien sûr. Et puis alors, dans la chaîne de soins, il y a ceux sans qui les soins eux-mêmes, les soignants et leurs équipes et leurs locaux ne seraient pas possibles. Évidemment, les médicaments et l'industrie des dispositifs médicaux, de tous ces outils que l'hôpital notamment utilise. Avec nous, Frédéric Collet. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le président du LEM, c'est le syndicat, c'est les entreprises du médicament, tout le monde connaît le LEM bien sûr, et le président de Novartis France. Le LEM en France, c'est combien d'entreprises ? Le LEM, combien de divisions ? De labos pharmaceutiques. Le LEM, ce sont un peu moins de 300 entreprises, c'est 100 000 collaborateurs. Et ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le LEM, c'est aussi 75% d'entreprises qui font moins de 50 salariés. Donc le LEM, ce ne sont pas que les big pharma dont on parle beaucoup. Beaucoup de petits labos, beaucoup de en petits biotech, labos. Très innovants. Labos très innovants et labos sur des produits matures, on en a beaucoup parlé pendant la crise. Alors, les médicaments et les dispositifs médicaux, tous les outils, les lits, les perfusions, enfin bon, j'en passe et les meilleurs, et bien sûr la radiographie, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Philippe Chêne, vous êtes le président du SNITEM, le syndicat des entreprises du dispositif médical, et vous êtes vous-même PDG d'une entreprise qui s'appelle WinCare, qui fabrique justement des lits et des objets de ce type, contre les escarres, par exemple. Par exemple. Le SNITEM, ça représente quel poids économique et social dans le pays ? Ah, je vais commencer. Alors déjà, bonsoir. Le SNITEM, c'est 400, donc un peu plus d'adhérents que le LEM, 470 entreprises. On ne compte plus parce qu'on a de plus en plus d'adhérents, y compris en cette période post-crise. Donc c'est, comme vous l'avez dit, hein, ce sont des technologies médicales qui sont diverses et variées. On va du déambulateur jusqu'à l'imagerie, en passant par l'implantable, les prothèses. Et le poids économique, etc. Dans le pays. C'est aux alentours de 20 milliards d'euros, hein, en général, le dispositif médical. Je ne dis pas que c'est le poids du SNITEM. Après, on peut segmenter sur l'hôpital, la liste en sus, etc. On est plutôt aux alentours de 8 milliards d'euros. Alors, les soignants... Et je précise quand même que, comme le disait tout à l'heure Frédéric, 93% de PME et de petites entreprises françaises. Alors, donc, les soignants, les outils au service des soins, bien sûr, et puis les patients et les services qu'on offre dans tous ces lieux, avec Sodexo, dont vous êtes la présidente pour la France, Anna Notariani. Là encore, le nombre d'établissements de santé dans lesquels vous intervenez, le chiffre d'affaires, les salariés. Alors, Sodexo, c'est 35 000 collaborateurs en France et 4 000 sites, dont 400 en santé, publique et privée. 400 établissements de santé. 400
400 établissements privés et publics dans lesquels nous intervenons et une palette de services qui va de la restauration, la maintenance, la propreté, mais aussi les crèches, la conciergerie d'entreprise. Donc vraiment toute une palette de services pour enrichir la notion de soins. Alors, quelle finalité pour les entreprises publiques et privées dans le système de santé? Derrière cette question, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Elle est tout à fait élégante, cette question. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a tout de même, dans notre pays, un antagonisme sur lequel je ne vais pas revenir en détail, mais qu'on va peut-être évoquer ici, un antagonisme entre le public et le privé. De quelle nature est-il vraiment? Est-ce que ces entreprises ont le même but, réellement, les mêmes buts? Et puis, comment on peut sortir des difficultés qu'il y a parfois? La crise du Covid, évidemment, je n'ai pas prononcé le terme encore, mais il est présent dans toutes nos têtes depuis le début de cette journée et de cette table ronde. Qu'est-ce que la crise du Covid a montré? Je me tourne d'abord vers l'homme du public, ici, Marc Penaud, avec ce CHU. Que vous enseigne la crise du Covid sur la réalité des difficultés qu'il peut y avoir entre public et privé en France? Alors, précisément, la crise du Covid nous enseigne une chose, c'est qu'on savait travailler ensemble. Et c'est que quand on est dans un espace particulier, qui est un espace de crise, les acteurs publics et privés savent s'aligner, savent avoir des objectifs communs dans une période spéciale. Et je dois dire que ce qui ressort de tout ce qu'on appelle les rétex, les retours d'expérience qu'on a vécu avec nos équipes, ça a été beaucoup ça. C'est le plaisir, finalement, de se retrouver autour d'un objectif commun. Alors, qu'est-ce que vous ne faisiez pas avant que vous avez fait là, par exemple? Vous passez des malades? Quel type de choses vous avez... quelles sont les barrières qui sont tombées? Ce qu'on a su faire, c'est gérer en commun un objectif commun. C'est-à-dire... avoir une régulation commune, je prends un exemple qui est très simple, sur le territoire Midi-Pyrénées, c'est le CHU et la cellule que j'animais avec le chef de service de réanimation du CHU, qu'on a en parfait partenariat avec représentants de la Fédération hospitalière privée et avec les réanimateurs privés, on a en permanence suivi chaque jour le niveau de montée en saturation des réanimations. Ça n'existait pas, c'était très apprécié et ça nous a permis de bien faire et de ne pas arriver à des niveaux dégradés de prise en charge de nos patients. Alors, vous n'êtes pas le représentant de l'administration de la santé en France ici, ni de la DGS, ni du ministère de la Santé, mais il y a une question tout de même qui revient et qui vous sera posée à vous forcément. Globalement, le reproche que l'on fait parfois dans les médias ou que certains acteurs du privé font au service public de santé, c'est souvent que, au fond, dans notre système qui est financé par la Sécu, c'est-à-dire la solidarité, n'oublions pas, tout de même, malgré tout, on a un souci, c'est qu'il y aurait une surrégulation, une suradministration qui pèserait sur les initiatives, et notamment celles du privé, dans notre système. Quelle est la différence de nature que vous voulez définir, peut-être, entre public et privé, vous, l'homme du public? Alors, d'abord, le public, et je prends l'exemple de mon hôpital, le public est constitué d'acteurs qui sont des acteurs majeurs sur l'ensemble de l'économie. Ce sont des acteurs économiques extrêmement importants. On a ici des représentants Sodexo, LEM, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du dispositif médical. On est des consommateurs énormes de ces produits. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'on fait partie d'un ensemble économique qui est complètement... C'est une chaîne complète. Qui est une chaîne complète. Alors, oui, je connais bien les sujets qui sont posés à l'hôpital public ou aux cliniques privées, hein, bien entendu. L'hôpital public, c'est un hôpital qui accueille tout patient 24 heures sur 24, quel que soit son besoin, sans autre considération que son besoin. Et pour arriver à ça, il y a une régulation, il y a une forme de régulation, mais malgré régulation externe, régulation interne, bien sûr, mais malgré ça, je voudrais rappeler que l'hôpital public, en particulier les CHU, forment l'intégralité ou la quasi-intégralité des praticiens. Oui, en clair, les futurs médecins qui iront dans les cliniques privées. Exactement. Sont d'abord formés chez vous. Exactement, et c'est pareil pour l'ensemble des soignants. Les acteurs publics, et en particulier les CHU, sont des chercheurs de toute première importance. On vient de discuter de la loi pluriannuelle de programmation de la recherche avec l'aspect santé.
Ce n'est pas une loi thématique, mais en tout cas, il y a un aspect santé dans son article 24 qui nous a beaucoup occupés sur la régulation territoriale de la recherche. Pourquoi les CHU sont des pilotes majeurs de cette régulation? C'est parce que ce sont des chercheurs majeurs. C'est eux qui ont la majorité des essais cliniques, qui réalisent la majorité des essais cliniques. C'est eux qui ont la densité la plus forte de brevets publics dans les liens avec l'industrie. Donc, il y a une régulation qui est nécessaire. Il y a une régulation qui peut être lourde. Le Ségur de la santé permet d'envisager un allègement. On va y revenir. Mais les hôpitaux publics sont des clés de voûte de l'ensemble du système de régulation. Il y a un point, puis je passe la parole à Thierry Chiche, il y a un point très important dans votre réflexion, c'est qu'au fond, vous nous dites, vous voulez attirer l'attention des Français ou de ceux qui nous regardent sur l'idée que l'hôpital public, avec ses lourdeurs, mais aussi sa richesse que vous venez de définir, il est financé, comme tout le système de soins français, par la solidarité nationale. Et donc, à cet égard, tous les acteurs de cette chaîne sont comptables, c'est ça, de cet argent public. Et vous dites, mais ça pose forcément une question. Il y a ceux dont l'objectif n'est pas forcément le profit, et il y a ceux dont c'est l'objectif aussi. Et quand ils ne sont pas français, par exemple, ça peut être un problème. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec ça? Parce que c'est une donnée qu'il faut rentrer tout de suite dans la discussion. C'est un sujet important. C'est un sujet sur lequel imaginer un grand soir n'est pas possible. Et pourtant, c'est un sujet qui se pose régulièrement. Donc, oui, on est en fonctionnement. Qu'on soit public ou privé, on est en fonctionnement financé par la solidarité nationale. C'est comme ça qu'est conçue. Ça explique pour vous la régulation parfois un peu lourde, la suradministration du système de santé français. Je ne sais pas si parler de suradministration signifierait parler de défaut majeur de régulation. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a un financement qui est assuré par la solidarité nationale. Et la question qui se pose sur tous les territoires, qui se pose au niveau national, c'est que fait-on de ce financement par la solidarité nationale? Est-ce que c'est un financement qui est réinvesti au profit de la solidarité nationale de la santé? Est-ce que c'est un financement qui est réinvesti ailleurs pour autre chose? Et là, les acteurs peuvent être très différents, peuvent se positionner de façon différente. Alors, Thierry Chiche, le constat d'abord, la crise du Covid, qu'est-ce qu'elle enseigne aujourd'hui, selon vous, dans l'antagonisme qu'il y avait, clairement, public-privé? Vous aussi, vous dites, non, ça s'est bien passé. Je crois que la crise a surtout rappelé qu'on assure ensemble, public et privé, le service public hospitalier. On est aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, le studio est en Seine-Saint-Denis, pas à Chamonix malheureusement. Quelle est la différence entre le centre hospitalier de Saint-Denis et la clinique Elsan de Stein, qui se trouve à 4 km? Ce sont les mêmes patients, ce sont les mêmes soignants, ce sont les mêmes missions, les mêmes activités de médecine chirurgicale. Ce n'est pas forcément les mêmes actionnaires, c'est ça que vient de nous dire le patron du CHU de Toulouse. Oui, mais en fait, les deux sont indispensables. Les deux sont indispensables au service public hospitalier. Et aujourd'hui, être en déni du fait que notre système en France fonctionne sur deux jambes, le public et le privé, le privé représentant 30% des séjours hospitaliers, plus de 50% de la chirurgie en France. Et donc, en fait, il faut que les deux fonctionnent bien pour que ça marche. Et ça, c'est vraiment un point important. Et je pense que le point qui est encore plus important, c'est de sortir de la caricature. C'est tellement facile, c'est tellement stérile aussi. Oui, le privé est responsable. Je peux vous dire que moi, le matin, quand je me réveille, quand je me regarde dans la glace et que je sais qu'on va soigner 10 000 patients dans nos hôpitaux Elsan dans la journée, eh ben, je suis assez fier. Voilà. Et oui, le public... C'est géré et c'est bien géré. Et on a d'excellents directeurs d'établissements publics qui sont d'excellents managers. Vous voyez, donc il faut vraiment sortir de cette caricature qui consiste à enfermer les gens dans les cases. Je comprends, parce que c'est une antenne, d'une certaine manière, ce canal Cham, que vous soyez consensuel. Mais il y a tout de même des obstacles que vous avez énumérés, listés, recensés, qui se présentaient plus souvent avant le Covid, et qui semblent avoir été abattus, au moins pendant cette crise. Mais vous dites tous, on risque de retomber dans les mêmes travers. C'est quoi les travers en question? Non, le premier enseignement de cette crise, c'est qu'on s'est parlé plus souvent. On a communiqué, le rythme de la crise, de gestion de crise, a fait qu'on s'est parlé tous les jours, plusieurs fois par jour. Et en fait, quand on se parle,
comme par hasard, on se comprend mieux. Hein, alors que quand on ne se voit pas, quand... Et je ne suis pas très fier de ça, mais moi-même, je ne comprends pas parfaitement comment fonctionne un hôpital public. Ce n'est pas bien. Et pendant cette crise, le fait de se parler m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un hôpital public. Et je pense que c'est vrai dans l'autre sens. Hein, donc en fait, le fait de se parler, ça a été le premier bénéfice de cette crise. Alors on reviendra sur les solutions que vous voulez apporter à ces différents obstacles, mais on a bien retenu bien une grosse difficulté de communication. Absolument. Déjà entre les deux secteurs. Frédéric Collet, alors la pharmacie, les big pharma comme les petits, là on doit reconnaître, on n'a jamais vu l'hypothèse de produire un vaccin en aussi peu de temps sur toute la planète à la fois. Là vous vous y êtes tous mis, privé, public, recherche publique, oui. Qu'est-ce que le Covid a montré là? C'est intéressant parce que j'écoute les commentaires qui viennent d'être faits par les deux participants et on vit exactement la même chose. Je trouve que vous avez lancé le débat en parlant d'antagonisme. Et l'antagonisme, ce n'est pas simplement une sorte de cohabitation passive qui se passe bien. Non, l'antagonisme, il y a éventuellement un effet même inhibiteur. Oui. Il y a vraiment un effet d'affrontement. Donc, je pense que c'est assez insolite de parler de ça après une crise comme celle-là qui a au contraire révélé une capacité entre le public et le privé de collaborer, de trouver des solutions ensemble, qui est incroyable, que ce soit, juste, vous l'avez évoqué, effectivement, pensez qu'on va peut-être trouver et identifier un vaccin, allez, en 2 ans, on peut imaginer ça, 24 mois. Mais qu'est-ce qui a été plus vite que d'habitude? Mais ce qui a été plus vite, c'est la capacité, en fait, on pourrait dire que nécessité fait loi. C'est-à-dire que, exactement ce que vous disiez, vous évoquiez l'un et l'autre, le fait de se mobiliser pour les patients, mais c'était pareil, il a fallu, au début de la crise, rappelez-vous, on s'est dit, mais jamais, comme on a identifié que certains produits, certaines molécules, certains médicaments étaient fabriqués à l'étranger, on s'est dit, oh, mais mon Dieu, on n'y arrivera pas. Tout le monde voulait le même médicament, le même jour, à la même heure. Et non seulement en France, mais en plus à l'étranger. Donc là où il y avait des tensions, on ne pouvait pas se dire, on va demander à nos collègues allemands. Non, il a fallu se mobiliser de façon incroyable. Et dans cette chaîne, les entreprises privées se sont mobilisées. Il faut dire aussi que l'administration s'est mobilisée de façon extraordinaire. Les médecins sont mobilisés de façon incroyable. On a fait appel aux sociétés savantes en disant, rappeler quels sont les bons protocoles. L'administration s'est dit, on va faire en sorte que justement les stocks de médicaments soient bien alloués entre l'hôpital de Stein et celui de Toulouse. On s'est dit également qu'il fallait faire en sorte que nos usines continuent de tourner alors que les collaborateurs pouvaient eux-mêmes être concernés par ça. Donc il y a une mobilisation incroyable et vraiment je pense que ce terme de nécessité qui a fait loi pendant cette période-là doit rester. Parlez-nous de coalition innovation santé. C'est quoi? C'est 50 acteurs là, qui... Alors, la coalition innovation santé, c'est un truc qui était vraiment incroyable parce que c'est une coalition qui s'est créée entre acteurs publics et acteurs privés pour soulager le système de soins et en particulier les patients traités de façon chronique d'un certain poids et notamment pour les hôpitaux qui étaient très, très soumis à une forte pression pendant cette période-là pour justement porter secours aux patients atteints de Covid, il fallait alléger le reste sur les patients en traitement chronique, le diabète, le cancer, etc. Et donc cette coalition s'est réunie à mobiliser une cinquantaine de millions, enfin c'était très important pour justement arriver à trouver des solutions de santé, notamment des solutions digitales qui permettent d'alléger ou d'apporter des solutions, notamment dans le parcours de soins. Ouais. Et ça, ça a mobilisé des acteurs privés, des acteurs publics de façon incroyable. Avec une autre coalition qui s'appelle Gavi, hein, qui est l'Alliance mondiale au fond pour les vaccins et l'immunisation, hein, donc la création. On se rend compte que l'enjeu pour vous, dans votre domaine de tout ça, rapport public et privé, c'est la question de la recherche. Comment on collabore? Parce que les rythmes de la recherche dans le public sont parfois plus lents, mais profitent d'éléments parfois plus puissants. Et puis le privé, lui, alors, ça va plus vite. Il y a toujours cette... Alors peut-être... Et là, ils se sont parlé. Vous avez parlé tout à l'heure de caricature. Là, il y a un peu quand même cette caricature. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a d'un côté un public vertueux qui peut arriver à faire de la recherche non intéressée, et puis un privé qui, au contraire, ne répond qu'au grand capital pour essayer de ne travailler que sur des... L'accès au marché tout de suite ou sur des molécules qui vont faire beaucoup d'argent. Les choses ne sont pas du tout aussi simples que ça. Par contre, qu'il y ait deux mondes aujourd'hui, on parlera des solutions tout à l'heure, qu'il y ait deux mondes aujourd'hui, certainement, qui effectivement... sont des mondes en France, c'est incroyable. On a une recherche publique qui est reconnue. Les enquêtes internationales ont confirmé que dans les 15 premiers organismes de recherche mondiaux, il y a 4 Français quand même. Donc c'est extraordinaire. Et par ailleurs, la recherche privée française
une recherche qui mobilise énormément de capacités en matière notamment financière. Mais alors, chez vous aussi, un des enjeux, c'est de maintenir ce niveau excellent de communication qui s'est amélioré donc, pendant la crise Covid. Et on y reviendra en matière de solutions, c'est la recherche d'une amélioration des partenariats entre le public absolument, et le privé. Absolument. Et puis là, je veux quand même souligner, parce qu'on a aussi, dans la caricature, on est habitué à dire, oui, mais alors, les entreprises privées sont extrêmement agiles et savent toujours s'adapter, et le public est toujours assez désespérant parce que le public est complètement sclérosé. C'est totalement faux. Ce qu'on a vu dans cette crise, c'est une administration, je pense, dès la DGOS l'autre jour, qui parlait de la façon dont l'administration s'est adaptée de façon incroyable. La NSM a développé des trésors, par exemple. Un essai clinique, normalement, il faut aller 6-7 mois pour valider un essai clinique. Là, quelquefois, en 3 semaines, un essai clinique a pu être approuvé, validé. Donc c'est incroyable ce qui a pu se développer comme génie, et l'administration, une grande partie du ministère de la Santé était fermée, avec des gens qui sont repartis, qui ont continué de travailler de chez eux pour assurer la disponibilité, et en fait, cette fameuse finalité, qui est que les patients aient leur traitement dans les meilleures conditions. Alors, Philippe Chen, à votre tour de nous dire en quoi le Covid vous a rapproché public et privé. Alors, je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce qu'a pas du tout, dit Frédéric Collet. Dans la mesure où les dispositifs médicaux sont aussi comme les médicaments des produits de santé, qu'on a un peu le même vécu. Frédéric parlait de la NSM. Oui, vous avez la tutelle de l'administration. Qui habituellement est plutôt dans un rôle de contrôle et qui a été très aidante à la fois dans les études cliniques, mais aussi vis-à-vis des entreprises du dispositif médical quand il s'agissait de produire et de mettre à disposition les produits. La solidarité a joué, les barrières sont tombées dans l'urgence. C'est l'urgence qui a fait que les silos... se sont fissurés et qu'en définitive, tout le monde s'est mobilisé pour mettre à disposition des produits de santé et ou organiser la prise en charge des patients. Donc ça s'est très très bien fait. Si je prends maintenant l'exemple du... Il y a eu quelques problèmes de coordination au début quand même. Hein. Tout n'a pas été rose, y compris au niveau de l'administration. On recevait plusieurs fois la même demande d'administration différente hein, pour les respirateurs, pour un certain nombre de dispositifs médicaux critiques. Mais globalement, tout ça s'est bien passé et je crois que globalement, on a réussi à répondre à la demande de prise en charge. Bon. Il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient chez nous dans le dispositif médical qui étaient à l'arrêt. Toutes celles qui travaillent sur les chirurgies programmées, tout l'implantable, etc. Ces entreprises étaient à l'arrêt. Puis on avait quelques entreprises qui étaient en surchauffe. Et comme le disait Frédéric, il faut bien voir que ces entreprises-là se sont mobilisées, leur personnel, dans une période où on ne savait pas grand-chose de cette maladie et de ses conséquences. Les gens étaient au boulot, les gens travaillaient, que ce soit sur place ou en télétravail, et faisaient face à une demande qui était 2, 3 fois, voire 10 fois de temps en temps, supérieure à la normale. Et on a fourni. Le risque, aujourd'hui, vous dites, c'est qu'on resegmente, on reprenne nos mauvaises habitudes. Oui, je crois. Alors, puisqu'on parle solidarité, c'est le thème de Cham cette année. Hein. Si on prend la solidarité sous l'angle moral, je pense que globalement, on a tous été solidaires. Pourquoi ? Parce qu'on avait tous le même objectif. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'urgence passée, et il y a quelques signaux faibles en ce moment qui se manifestent, on retrouve notre fonctionnement en silo. C'est-à-dire qu'on avait, quelque part, un peu une approche à l'anglo-saxonne pendant la crise. Où, en définitive, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Aujourd'hui, on revient à une approche française où tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et on prendra quelques exemples, mais on a vu la contribution, Frédéric en parlait tout à l'heure, du digital ou de la télémédecine, dans la prise en charge de patients qui n'avaient plus accès aux établissements de santé ou à leur médecin de ville. Ça a formidablement bien marché. Formidablement bien marché. On est les rois du pilote en France. Il faut maintenant... On a démontré que ça marchait. Il faut maintenant que la télémédecine passe véritablement dans le droit commun. Ça, c'est juste un exemple. Il y a un point important parce qu'on ne se rend pas compte. On a beaucoup parlé, après le confinement, de la nécessité, puisqu'on l'a vu dans le médicament, on n'avait pas la production de tous les principes actifs en Europe ou en France, en tout cas, et on s'est dit qu'il faut relocaliser. Et dans le relocaliser, on peut se dire peut-être qu'il y a des objets. Vous, vos dispositifs médicaux sont plutôt fabriqués en France, ou en tout cas vos fournisseurs qui fournissent des pièces de grande valeur ajoutée sont souvent, par exemple, issus de la filière aéronautique. Mais du coup, ils ne vont peut-être pas toujours très bien par ailleurs. Et sur ce point-là, vous dites qu'il faut qu'on aide cette filière-là. De quoi parlez-vous ? Alors, en fait, si on prend un peu de recul, la volonté de relocaliser, elle a deux objectifs. Premier objectif, c'est l'indépendance sanitaire. Et le deuxième objectif, c'est créer des emplois ou qualifier, etc.
Donc, il ne faut pas se tromper. On va parler de l'indépendance sanitaire, d'abord. Dans le dispositif médical, nos produits font appel à des millions et des millions de composants. On ne pourra pas relocaliser l'ensemble des composants qui viennent de Chine. Voilà, il faut travailler sur les chaînes d'approvisionnement, regarder quels sont les fournisseurs. L'exemple que vous citez, Thierry, est intéressant parce qu'effectivement, dans le dispositif médical, souvent, on dépend de fournisseurs qui fabriquent des composants qui rentrent dans nos dispositifs, mais ces fournisseurs travaillant principalement pour une autre industrie. Donc c'est l'exemple de l'aéronautique. Aujourd'hui, l'aéronautique est à l'arrêt. Et on a j'ai eu l'exemple au jour d'un sous-traitant qui est en région toulousaine et qui a des difficultés à fournir les composants pour le dispositif médical parce que lui-même, son activité par ailleurs est à l'arrêt. Donc il faut une réflexion beaucoup plus globale sur ces problématiques de relocalisation. Si j'ai évoqué ce sujet, c'est parce que d'abord, il y a cette difficulté particulière chez vos fournisseurs à vous, en France, qu'il faut que l'État aide, mais c'est surtout parce que vous voulez qu'on ait une vision globale du modèle économique du système de santé. Certes, on disait avec le public tout à l'heure, il ne faut pas oublier que c'est la Sécu, la solidarité nationale qui finance tout, mais vous voulez attirer notre attention sur une étude qui a été réalisée récemment par l'OCDE qui implique privé et public et qui parle de la rentabilité globale du système. Expliquez-nous ce que... Alors voilà, je suis un peu... Mais on est à CHAM, donc on peut se dire des choses, y compris confidentielles. On a eu accès au SNITEM, à un certain nombre d'informations. Ce sont des données qui vont être publiées en novembre par l'OCDE. Ah, c'est un scoop, qui montre, mais qui montrent qu'un système de santé efficient, ça n'est pas un coût, c'est un superbe investissement globalement pour la collectivité. Il y a un certain nombre de chiffres très précis qui montrent les différences entre les différents pays en matière de coûts directs et indirects pour l'économie, de l'efficience du système de santé, c'est-à-dire sur l'impact sur le PIB, la baisse de recettes et ou les dépenses supplémentaires à faire en urgence lorsque le système de santé n'est pas efficace. Donc nous, ce sur quoi on aimerait travailler avec l'ensemble des acteurs, à commencer évidemment par le gouvernement et l'administration, c'est dans la durée, puisqu'un système efficient de santé, on va le mettre en place dans la durée. Donc dans la durée, on doit travailler sur un accès plus rapide à l'innovation, parce qu'on a vu que l'innovation, elle est structurante ou restructurante, télémédecine par exemple, mais il y a d'autres exemples, et puis une régulation intelligente, qui soit une régulation pluriannuelle et non pas comptable et annuelle, qui permette aux entreprises qui contribuent à mettre en place un système de santé efficient, qui permette aux entreprises d'investir dans la durée. Et ça, ce n'est pas nouveau chez nous. Avec nous, Anna Notariani, vous allez peut-être briser un peu ce consensus la crise du Covid est formidable, elle nous a permis tous de travailler ensemble, il n'y a pas d'antagonisme public-privé. Vous dites aussi qu'évidemment, l'enjeu humaniste vous a tous amenés à travailler ensemble, bien sûr, plus que jamais. Mais vous qui offrez des services, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait parfois un public débordé et un privé où on attendait, il n'y avait pas de patients ou très peu. Expliquez-nous ce que vous avez vécu, vous, avec la crise du Covid. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, moi, je suis allée sur le terrain pendant toute la crise du Covid, rencontrer les équipes, rencontrer les clients, publics, privés, et j'en ai tiré deux grands enseignements. Alors, le premier, c'est que, évidemment, j'ai été impressionnée, comme beaucoup d'entre nous, par l'intelligence collective qui s'est mise en place, par le fait que, pour résoudre des problèmes importants, eh bien, il faut compter sur l'humain. Parce que finalement, les humains, lorsqu'il faut, dans l'urgence, organiser le travail et régler des problèmes très concrets, eh bien, ça va plus vite finalement que les algorithmes. Donc la première chose, moi, c'est que je reviens sur ce que j'ai vu sur le terrain. Et j'ai des clients qui nous ont dit pour la première fois, vraiment, ils nous ont dit, on comprend ce que ça veut dire le partenariat. Parce que si vous n'aviez pas été là avec vos équipes qui sont venues travailler, qui nous ont complètement déchargés pour qu'on se concentre sur les soins, public et privé, et public, on n'aurait pas pu faire notre travail. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que nos équipes ont fait tomber un certain nombre de clichés. Et ça, c'est quand même formidable. Donc moi, je suis quand même très fière de dire... Les gens ont pris des initiatives dans mon entreprise. Par exemple, l'équipe, le nôtre, a pris l'initiative de venir travailler, fabriquer des viennoiseries, de les délivrer tous les jours aux patients et au personnel et aux personnes âgées qui étaient isolées sur Paris-Île-de-France. Et donc, moi, je dis, waouh, laissons aussi de la place aux initiatives et à l'intelligence collective.
Évidemment, ce que j'ai constaté, vous le citiez à l'instant, c'est que par moment, nous, notre activité de restauration dans le secteur privé, elle a légèrement décru. Pourquoi ? Parce que par-ci, par-là, la coordination dont on nous parle, elle n'a pas forcément fonctionné de la même façon un peu partout sur le territoire. Il y a eu encore des blocages à amener des patients dans le privé, pour dire les choses clairement. Ce qui fait que, si vous voulez qu'il y avait à un moment donné, sur le territoire, évidemment, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas une critique, ce que je dis. C'est vraiment, ça n'est pas facile de coordonner. Donc, d'un côté, ce qu'on a constaté, c'est une grande envie de tous les acteurs privés et publics de contribuer à régler la crise, mais des retards, des décalages, finalement, dans la prise en charge. De façon tout à fait modeste, puisque je ne suis pas forcément très bien placée pour parler de ça. Non, mais vous nous parlez d'un des sujets qui est la question de la coordination. On reviendra peut-être sur l'émission. Juste un mot quand même. Vous aussi, les obstacles. Vous dites, les appels d'offres aujourd'hui, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Ça ne nous permet pas d'innover, ça ne nous permet pas de faire du social. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les appels d'offres ? En fait, le deuxième enseignement moi, que j'ai tiré de cette crise, c'est que nous sommes face définitivement, et on ne reviendra pas en arrière, à des enjeux sociaux, sociétaux, écologiques, de transition de toute nature, de lutte contre le chômage qui nous dépassent tous. Pour régler ces enjeux, il faut qu'on accepte de faire comme nos collaborateurs l'ont fait pendant la crise du Covid. Il faut qu'on arrête, d'être dans les postures, les statuts et des discussions qui ne sont plus d'actualité. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, ce qu'attendent nos salariés, nos collaborateurs, c'est qu'on travaille un petit peu plus en transversalité, qu'on crée des écosystèmes intelligents, publics, privés, et tous les acteurs doivent contribuer à régler des problèmes concrets. Très bien, mais c'est très théorique ça. Très concrètement, où est-ce que ça bloque ? Qu'est-ce qu'il faut pour débloquer la situation ? Alors, très concrètement, on a des outils, par exemple les appels d'offres, vous le citiez à l'instant, qui ne sont plus du tout adaptés. Je vous donne un exemple. On a besoin de rentrer dans les appels d'offres publics des indicateurs d'inclusion. C'est-à-dire diversité travailler avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi et prendre des engagements. Moi, j'assure une expertise dans le domaine de la restauration. Mais mes clients me demandent de plus en plus de jouer un rôle social majeur d'intégration sociale. Et nous sommes particulièrement bien placés pour le jouer, ce rôle. Encore faut-il que la structure des appels d'offres nous permette de jouer ce rôle. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on a des cahiers des charges qui sont extrêmement complets, détaillés, mais que la structure de la décision du prix reste tout à fait classique et ne permet pas de prendre en compte la valeur que nous créons, par exemple, sur l'intégration sociale. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est un exemple concret. En gros, si j'ai bien compris, les critères d'appel d'offres aujourd'hui, ils ne vous permettent pas de faire du bio, par exemple, dans les plateaux repas, ou ils ne vous permettent pas d'embaucher quelqu'un qui a des difficultés d'accès à l'emploi en l'aidant un peu mieux, parce que le prix est trop contraint. Alors, repasse la parole à Marc Penaud. Et je reviens, pour les uns et les autres, aux solutions que vous imaginez. Il y a quand même des objections qui sont faites. Vous voyez bien, coordination, on connaît tous l'exemple de ces deux régions qui se sont parlé entre hôpitaux publics. Et puis finalement, Paris a dit « Ah ben non, on n'était pas au courant, vous ne passez pas les patients ». Et puis on a tous entendu parler des hôpitaux privés ou des cliniques privées de l'Est qui n'ont pas vu de patients alors qu'ils sont partis dans le Sud-Ouest pendant le Covid. Donc, il y a tout de même une espèce de blocage idéologique. On ne va pas mettre dans le privé des gens, on ne sait pas comment ils vont être soignés. Les ARS, parfois, ont réagi comme ça. Je voudrais prendre le débat sous un angle un petit peu différent. Là, on s'est dit qu'on avait travaillé ensemble, qu'il y avait des systèmes qui avaient été levés, des contraintes qui avaient été levées. On s'est dit qu'on avait utilisé rapidement des dispositifs et il y a eu une inventivité dans les hôpitaux, je parle des hôpitaux que je connais, qui a été remarquable, très rapide, etc. On a dit qu'on avait pris plaisir à coordonner ensemble des soins, mais ça, c'était pendant une période très spécifique. C'était pendant une période durant laquelle l'ensemble de l'économie était à l'arrêt. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne régulier ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que
Je pense qu'il faut revenir à des fondamentaux en termes de besoins de santé publique. La pire des choses serait de se dire que nos objectifs d'amélioration, de simplification, etc., visent juste à rester comme on était en un peu mieux. Quand on regarde les critères qui sont les critères de la France en termes de santé publique, il y a quand même une vraie question. On est bon globalement, les critères internationaux le montrent, quand il faut faire un diagnostic, quand il faut soigner, mais on est moins bon pour éviter d'avoir besoin d'être soigné. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez de prévention on tombe malade plus jeune. Ça veut dire qu'en France, quand vous regardez, le panorama international, on est dans la moyenne européenne sur l'espérance de vie en bonne santé, qui est de 64 ans pour les hommes comme pour les femmes, ou 65 ans pour les femmes, et c'est à peu près ça. Et c'est-à-dire 10 ans de moins que dans des pays comme la Suède. Bon, et là, du coup, tout le monde a la même finalité. Un sujet. Et le sujet sur lequel je pense que la réflexion doit s'imposer et qui doit éclairer tous les dispositifs pour aller plus vite, pour mieux utiliser la technologie, etc., le sujet, ce n'est pas de rester sur un système de soins. Le sujet, c'est de passer d'un système de soins à un système de santé. Alors, pour ça, vous nous dites, je voudrais que vous nous parliez de deux choses, puisque là, on va parler des solutions que vous proposez les uns et les autres. Vous nous dites, par exemple, il y a le Ségur de la santé qui fait des propositions, et si je suis votre raisonnement, l'important, c'est que, privé ou public, on participe tous au juste prix à la part qu'on prend dans le financement du parcours de santé, du parcours de soins du patient, c'est ça? Parlez-nous de cette réforme du parcours de soins qui améliorerait le rapport public-privé. Alors, il y a des expérimentations qui ont été lancées et qui sont extrêmement importantes en termes de financement au parcours. Alors, elles n'ont pas abouti encore, mais c'est un chemin sur lequel on est en train d'aller. Il y a des financements à la qualité qui sont prévus dans le Ségur de la santé, et c'est une excellente chose. Il y a dans le Ségur de la santé une capacité pour nos praticiens et pour nos personnels de travailler avec des temps partagés entre le public et le privé. Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Ça veut dire concevoir la santé dans un parcours coordonné autour de l'idée selon laquelle, quand on est malade, on n'est pas malade, la maladie n'est pas publique ni privée. Quand on est malade, on a besoin d'un accès aux soins garanti, où que l'on habite, on a besoin de soins de qualité, et on a besoin, et les professionnels de santé que nous sommes et auxquels nous contribuons tous, doivent garantir la viabilité de ces systèmes. Donc ça veut dire imaginer autre chose sur des parcours coordonnés qui ne s'arrêtent pas aux soins, qui ne s'arrêtent pas au diagnostic et au traitement, mais qui vont bien avant, qui aillent sur, finalement, le vieillir en bonne santé, qui est l'une de nos grandes thématiques à Toulouse. Mais donc, ça veut dire qu'il y a déjà, avec cette notion de parcours dans laquelle entrerait le public comme le privé, une autre vision globale en France, sans antagonisme entre le diable, comme Thierry Chiche dit, il n'y a pas de diable, le privé, ce n'est pas le diable, et puis le public, ce n'est pas le saint, mais chacun aurait sa place dans ce parcours. Alors, Philippe Chêne, là aussi, quelles sont les propositions que vous faites aujourd'hui pour permettre à des innovations d'accéder au marché plus vite, par exemple, de nouveaux objets que vous inventez, et c'est très long parce que le contrôle est trop long parfois. Alors on va partir encore une fois du besoin, et je suis complètement d'accord avec ce que disait Marc Penaud. En fait, plutôt que de réguler annuellement les budgets de la sécurité sociale en regardant la dépense, il faut regarder le besoin, et d'où une régulation premièrement pluriannuelle. C'est-à-dire que, très important cette revendication, depuis longtemps, du LEM comme du SNITEM, que le gouvernement prévoit des investissements parfois sur plusieurs années, et pas seulement le PLFSS chaque année, parce que ça ne permet pas d'envisager des investissements sur des médicaments très modernes mais chers, ou des nouveaux outils modernes mais très chers aussi. Voilà, on parle de parcours de soins. Alors je sais qu'on ne doit pas citer d'acronyme, je vais parler du CEPS, donc le Comité économique des prix. Celui qui fait les prix. Ouais. Voilà, c'est celui qui va déterminer les prix. Le CEPS ne va pas regarder le parcours de soins. Il a une enveloppe à gérer. C'est un peu technique pour les non-français, mais qui consiste à gérer le prix ou le remboursement des produits les plus onéreux. Hein. On appelle ça la liste en sus. Et puis ensuite, ce qu'on appelle la ville. Il y a un gros paquet où on a à la fois des dispositifs remboursés par eux-mêmes, mais aussi des prestations. Et la ville, c'est quelque chose d'intéressant, d'important, parce qu'en définitive, ce sont des patients qui sont chez eux, qui
sont pris en charge chez eux et qui ne sont pas ni à l'hôpital ni à la clinique et qui ont la réputation de coûter moins cher, n'étant pas en établissement. Et alors, qu'est-ce qu'il faut changer là ? Eh bien, le CEPS, lui, a un objectif annuellement qui consiste à essayer de garder cette enveloppe dans le cadre de l'ONDAM. C'est 2% de croissance ou c'est 3% de croissance, peu importe le pourcentage, mais ce n'est pas lié aux besoins. Si on développe l'ambulatoire en France, ce qui est une très belle chose, c'est-à-dire réduire les durées d'hospitalisation, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de qualité de vie. Encore faut-il donner à l'enveloppe de ville les moyens d'accueillir ces patients. On parlait de prévention, c'est tout à fait intéressant. Il y a un certain nombre de dispositifs ou de médicaments probablement qui permettent, en amont d'un certain nombre de pathologies, de les prévenir et ou d'en retarder les conséquences les plus graves. Il faut faire, en partenariat avec l'assurance maladie, tout un tas de programmes de sensibilisation à l'utilisation de ces... Donc vous nous dites, l'un et l'autre, il faut raisonner parcours, il faut raisonner besoin. Ça répondrait à votre problématique, par exemple, d'intégrer davantage la dimension sociale. Vous avez des exemples, très réussis de partenariats public-privé, le département des Yvelines, d'autres exemples encore, qui sont un peu innovants par rapport aux pratiques habituelles. Qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, moi je crois qu'on va sortir par le haut, par l'innovation. Donc là, j'ai deux exemples de structures d'appel d'offres, un privé, un public, qui sont innovants. Le premier, c'est avec le groupe Elsan, où on a répondu à un appel à projet. Et pendant, donc c'est une procédure qui a duré 2 ans, très transparente, très rigoureuse, et on a expérimenté pendant 1 an la refonte complète du concept de la restauration. Et on a tout changé et on a travaillé avec les équipes. Avec du bio, avec du bio, en changeant les horaires, en changeant la carte, en étant complètement... Vous avez affolé l'ARS, là. Complètement. Non, on n'a pas affolé la grâce. Non, parce qu'en fait, on s'est plugué vraiment sur l'expérience du patient. Et donc, du coup, on a été assez loin. Mais ce qui est très important, qui est innovant dans cet appel d'offres, c'est qu'on a pu expérimenter vraiment et se donner le temps de l'expérimentation sur le terrain. Ce qu'on faisait pas. Voilà, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc moi, je voulais juste rappeler que c'est tout à fait possible et les structures d'appel d'offres existent. Et le deuxième vous avez fait exemple. Avec le conseil départemental des Yvelines. Le conseil. Alors, on a créé une CEMOP. On a créé une CEMOP, c'est-à-dire c'est une structure collective, donc nous sommes co-actionnaires, et cette structure, elle s'est dotée d'objectifs justement permettant d'intégrer des critères d'insertion sociale. Donc, ce qui fait que nous avons pu, par exemple, dès l'ouverture, nous avons intégré 1250 salariés au statut très différent, tout en maintenant la paix sociale, si vous voulez. Et donc, du coup, on a pu réaliser ça, puisqu'on a travaillé ensemble dans le cadre de cette CEMOP, et on a pu, très concrètement, embaucher 300 personnes qui étaient isolées et loin de l'emploi, les former, leur donner des opportunités de carrière. Qu'est-ce qu'elle a d'original, cette CEMOP ? C'est qu'en fait, vous êtes partenaire dans la direction de l'organisation. Tout à fait. Donc, nous suivons avec des indicateurs extrêmement complets, précis et transparents la qualité des prestations de restauration et de propreté de maintenance que nous délivrons. Vous êtes co-dirigeant, vous n'êtes pas que prestataire, quoi. Voilà. Alors attendez, je voudrais revenir à vous, Marc Penaud, parce qu'on vient de parler d'un aspect qui est l'accès au marché des innovations. Et là, avec l'exemple de l'expérimentation, on a brisé les barrières et les silos avec cet exemple de l'accord Elsan avec l'expérience Elsan Sodexo. Vous, dans le public, de votre côté aussi, vous inventez des nouvelles procédures pour essayer d'aider notamment les start-up qui amènent parfois des idées qu'elles pensent très bonnes, mais qui ne se développent pas si ça ne correspond pas aux besoins exacts des soignants ou des patients. Ça s'appelle InnovPol Santé. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme pour innover ? Alors, InnovPol Santé, j'ai souhaité le mettre en place il y a 1 an parce que je pense qu'il faut, qu'est-ce que c'est il faut lutter contre le push technologique. Le push technologique, c'est l'idée est bonne parce que technologiquement, elle est faisable. Ça, c'est la pire des choses. C'est mettre en production des outils qui n'ont pas de marché et qui n'ont pas d'avenir. Alors, mon sujet à moi en tant que directeur public, c'est pas le marché des entreprises, j'ai pas de produits à vendre. Par contre, mon sujet, c'est que mes patients et les professionnels de santé de l'hôpital trouvent
de quoi innover, trouve de quoi appuyer l'amélioration de la qualité des soins, l'amélioration de l'accès aux soins sur des dispositifs, sur des médicaments qui soient utiles. Alors InnovPol Santé, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui a pour but d'aider à l'accélération de l'accès au marché, précisément en screenant, si je peux dire, l'idée technologique d'un médecin, d'un technologue, d'un ingénieur, etc., à travers le prisme du besoin porté par les professionnels de santé. On l'a mis en place en octobre l'an passé. On est déjà à près d'une centaine de demandes d'appui parce que ce besoin était fondamental. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est pour ça que je voulais qu'on insiste dessus, c'est qu'au fond, vous êtes possesseur, vous, des données, data et presque comme quand on fait une étude de marché, vous êtes possesseur des données du marché, puisque vous avez l'essentiel, avec le privé peut-être, mais beaucoup, 70% des séjours en hôpital sont chez vous, en France, et donc vous savez de quoi les soignants et les patients, ou les patients et les soignants ont besoin. Et vous mettez au service de ceux qui innovent, au fond, avec cette plateforme, toutes ces données qui sont stratégiques pour leur permettre de savoir s'ils se trompent ou s'ils ne se trompent pas. Donc voilà une forme de partenariat. Alors, tout de même, je voudrais redonner la parole à la fois à Thierry Chiche et à Frédéric Collet. Là encore, qu'est-ce que vous voulez voir avancer désormais dans les procédures, dans les propositions, dans les plateformes pour pouvoir progresser? Peut-être, Frédéric Collet, qu'est-ce qu'il en est de... Écoutez, il y a un rapport qui a été fait récemment. Oui, alors je voudrais revenir. En fait, c'est intéressant parce qu'on s'est dit... Vous, c'est la recherche, on a dit, hein, sur le médicament. Nous, on est plutôt sur le domaine de la recherche. Je pense que c'est là où la collaboration publique-privée peut être la plus fertile. Ou en tout cas, c'est là où on a le plus de terrain à gagner. Mais comment faire mieux, alors? Alors, c'est intéressant parce que ce point-là, on a profité de la crise en se disant... Il y a aussi une opportunité. Donc on a demandé un rapport, une étude assez approfondie à un cabinet, à Carnet, pour nous aider à regarder... Pendant le Covid. Pendant le Covid. On a commandé ça, on s'est dit tout de suite, dès le départ, au mois d'avril, on s'est dit, il faut que nous tirions l'opportunité de cette crise pour justement avoir un regard externe de cet environnement qu'on croit très bien connaître, mais qui va certainement nous apprendre des choses nouvelles. Donc, Atti Carnet a fait une proposition qu'on vient de publier, qu'on vient de présenter, dans laquelle il y a une cinquantaine de mesures. Il y a 12 axes prioritaires, dont une cinquantaine de mesures. Dans ces 50 mesures, il y en a 3 qui concernent particulièrement les échanges publics-privés, notamment dans le domaine de la recherche. Et là, je rejoins vraiment notamment ce que Thierry disait tout à l'heure, c'est-à-dire... le besoin de se parler, parce que c'est en se parlant qu'on se comprend. Je crois que c'est les termes que vous avez utilisés. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on retrouve ça aujourd'hui, par exemple, dans la loi programmation pluriannuelle de la recherche. Vous savez, c'est cette loi qui est en train d'être votée, qui est déjà passée au Parlement une première fois, dans laquelle, finalement, parmi les mesures qui sont indiquées, il y a beaucoup d'entre elles concernent la possibilité de mixer les parcours, de permettre à des chercheurs publics qui sont à l'hôpital, d'aller travailler de Toulouse, d'aller aussi dans le privé. D'aller également dans le privé ou de monter leur propre entreprise en parallèle. Ou bien au contraire, à des acteurs publics, des acteurs privés, pardon, d'avoir une activité notamment d'enseignement dans le privé. Or aujourd'hui, ça semble évident, on se dit, mais c'est normal. Les statuts ne l'autorisent pas encore. Les statuts ne l'autorisent pas suffisamment et on passe à côté, du coup, de cette attractivité. Or, aujourd'hui, effectivement, Philippe a beaucoup évoqué ces notions, enfin, la façon dont on peut considérer l'attractivité, la compétitivité du territoire, mais je pense que l'attractivité, elle va dépendre de la façon dont on arrivera à faire fructifier ensemble cette qualité de la recherche publique énorme que nous avons et cette dynamique des acteurs privés. Alors, vous voyez, dans l'exemple que vous venez de donner, des acteurs très forts, des professionnels très, très compétents du privé qui iraient enseigner un peu dans le public aussi, et des professionnels du public qui pourraient, en parallèle de leur activité à l'hôpital, monter une entreprise privée, par exemple. Vous avez aussi un exemple en Occitanie d'un statut d'une entreprise, d'une clinique un petit peu différente que vous avez, alors qu'on sait que dans les groupements hospitaliers de territoire, aujourd'hui, la réorganisation de toute la filière hôpitale dans les territoires, il n'y a pas le privé, il est en parallèle. Et vous dites, on peut coopérer, vous avez plusieurs exemples de coopération publique-privée pour monter des établissements ensemble, ce qui est quand même exceptionnel. Absolument. En fait, le système de santé est d'une complexité inouïe. Donc celui qui imagine de Paris le modèle qui va marcher partout,
et qui va fonctionner partout de la même façon, à mon avis, il se trompe vraiment et ça n'aboutira à rien. En fait, l'enjeu, c'est de localement, territoire par territoire, faire travailler les équipes pour trouver les solutions qui correspondent aux problématiques, parce qu'il n'y a pas un territoire qui est identique, il n'y a pas les mêmes offres de soins territoire par territoire. On pourrait dire c'est dommage, il faudrait les mettre en œuvre, il faudrait avoir beaucoup plus de médecins là et moins ici. Mais soyons concrets, vous avez un contre-exemple en Occitanie et vous avez un très bon exemple ailleurs. Concrètement, deux exemples. Un exemple, Bergerac. Et on décrit c'est en Nouvelle-Aquitaine. Donc on décrit les ARS. Et là, en fait, moi, j'aimerais rendre hommage à l'ARS qui nous a mis ensemble hôpital public et hôpital privé dans une salle en disant travailler ensemble. À propos de quoi? Pendant la crise du Covid ou... Avant. Ça fait deux ans que c'est engagé. Et il y avait deux plateaux techniques, de chirurgie, il y avait de la médecine, du soin de l'aval, etc. Ils nous ont dit, travaillez ensemble, c'est un petit territoire et il y a besoin de plus de coopération. Optimisez vos moyens ensemble. Absolument. Et on ne l'avait pas fait. On l'avait pas fait. Et c'est l'ARS qui nous a demandé de le faire. Et bien, le 30 juillet, on a conclu un partenariat qui va faire qu'on va regrouper la chirurgie sur un seul plateau technique, qui va d'ailleurs être sur les locaux de l'hôpital, opéré d'ailleurs, géré par le privé. Donc c'est le Elsan qui va gérer. La médecine est gérée par le CH. Et puis, on va créer, dans les locaux de la clinique, un service de soins de suite, parce qu'il y avait un déficit de soins de suite. Deux ans de travail, l'initiative de l'ARS, ça a été des dizaines de réunions. Il fallait mettre sur la table tout ça, mais en fait, on a trouvé la solution. Donc, ça dépend vraiment de la volonté locale du préfet sanitaire qui est le patron de l'ARS, en quelque sorte. En tout cas, c'est une très belle initiative. Au début, on n'est pas forcément compris. On se demandait... La loi, aujourd'hui, le permet. Les statuts, malgré tout, le permettent. Absolument. C'est une question de volonté et de vision. Absolument. Et donc, c'est vraiment... Alors, le contre-exemple. Le contre-exemple, un autre lieu de maternité, sous critique en termes de taille, dans des locaux qui ne sont pas forcément les plus modernes, de part et d'autre, public et privé. On a la chance d'avoir un beau projet de reconstruction d'un nouvel hôpital privé sur cette localité d'Occitanie. On propose de créer finalement une maternité commune, gérée ensemble. Et là, refus de l'hôpital public. Et c'est vraiment une attitude personnel, individuel. Et là, l'ARS a brillé par son absence. A brillé par son absence parce que, à mon avis... Elle n'a pas voulu arbitrer. Elle aurait dû arbitrer et dire, attendez, c'est une opportunité d'offrir aux parturientes des locaux de grande qualité en regroupant une offre sur un lieu unique qui est moderne avec des équipes publiques et privées qui travaillent ensemble. Alors, je n'aurais pas la cruauté d'insister lourdement et de vous demander où c'était précisément, puisque vous n'avez pas souhaité le dire. Et je n'aurais peut-être pas la cruauté de vous demander si vous aviez dirigé cet hôpital, mais si je vais le faire, après tout. Est-ce que vous intégreriez des éléments du privé dans votre chaîne de l'hôpital à Toulouse? Je veux dire, est-ce que vous pourriez créer un secteur? Il faudrait déjà qu'il n'ait pas d'actionnaires étrangers. Ah, ça, c'est la base. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est financé par la solidarité nationale. Et je crois que parmi les valeurs qui nous permettent de parler ensemble, eh bien, l'une des valeurs, c'est précisément le réinvestissement dans la solidarité nationale. L'argent de la Sécu ne peut pas nourrir un fonds de pension australien, c'est ça que vous dites? On a d'excellentes relations avec des établissements qui fonctionnent avec des fonds de pension étrangers, mais je crois qu'il est fondamental d'avoir des valeurs communes. Avoir les valeurs communes, c'est déjà se respecter, et je pense que se parler, comme le dit Thierry tout à l'heure, c'est absolument essentiel. Alors, le sujet que Thierry aborde, c'est un sujet que j'ai connu ailleurs et que je rencontre évidemment aussi sur mon territoire. C'est la valeur qu'on peut apporter autour de cette transformation qui me paraît essentielle du système de soins en système de santé. C'est la transformation de l'offre de soins dans un sens particulier. La transformation de l'offre de soins signifie une modification de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de la population, de répondre, par exemple, d'avoir des services de proximité qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais
de réfléchir aussi à la densité nécessaire du plateau technique sur les différents territoires. Oui, ce que le privé ne peut pas toujours apporter, c'est ça que vous voulez souligner. Ce que le privé ne peut pas toujours apporter, mais en tout état de cause, ce qui est fondamental, c'est d'accepter de ne pas tout faire partout. Tout faire partout, c'est condamner précisément à l'inefficience. Tout faire partout, c'est condamner au désert médical. Mais pardon, cette façon de le dire vaut pour le privé peut-être, mais aussi pour le public. Parfois, il y a une très bonne clinique qui fournira des prestations, je dirais, d'ordre classique, d'opérations, de coloscopie, de choses et d'autres, qu'après tout, le public pourrait, encore faut-il convaincre toutes vos équipes et vos personnels, que ce n'est pas grave si vous fermez un service de même nature qui, lui, au fond, n'est pas très efficient. Alors, je n'ai pas d'exemple précis en tête. Non, c'est théorique, tout ça. Sur mon territoire, en revanche, j'ai des exemples tout à fait précis de projets de collaboration public-privé, notamment sur Toulouse, qui ont de la valeur et qui auront de la valeur. Donc, l'idée n'est pas de se mettre dans un principe définitif pour dire je suis public, je me bouche le nez quand je parle avec le privé, ou inversement, ça ne veut rien dire. De la même façon, au sein du public, il y a des tailles différentes, il y a des objectifs qui sont différents sur les territoires. L'objectif, c'est de se parler, c'est de construire ensemble et de coordonner les soins et de coordonner la santé. Et je reviens encore là-dessus. Ce qui est vraiment fondamental, il faut qu'on arrive à basculer là-dessus. Ce qui est fondamental, alors, c'est que nos énergies, Thierry, c'est que nos énergies publiques et privées soient centrées sur la recherche, sur le développement concret des marqueurs qui nous permettent de vieillir en bonne santé. Et ça, ce n'est pas public. Pour que ce ne soit pas que des déclarations d'intention et de principe tout de même, des questions assez concrètes. Il y en a qui arrivent. Vous savez qu'il y a des centaines de gens qui nous regardent aujourd'hui sur Canal Cham. Et parmi eux, il y a des questions qui nous sont posées. Celle-là, pour vous. À contrario de certains pays européens comme l'Allemagne, pourquoi y a-t-il en France la réticence à accepter l'idée d'un CHU, donc un centre hospitalier, mais qui fait aussi de l'enseignement universitaire, donc avec des beaux plateaux, etc., très grands, privés. Parce qu'on on a une organisation aujourd'hui qui est calée sur une formation et une recherche publique qui est très dense. Vous avez parlé tout à l'heure de la recherche en médicaments. Aujourd'hui, les CHU disposent de tous les plateaux de recherche, d'inclusion, de promotion, de formation et de formation des chercheurs qui ensuite vont aller dans le privé. Donc je crois qu'il est important d'avoir une assise qui soit coordonnée sur un nombre finalement à l'échelle de 32 établissements. C'est quand même beaucoup, 32 établissements qui sont la base de cette recherche, de cet enseignement. Voilà, donc on est aujourd'hui organisé autour de 32 CHU qui permettent. Il vaut mieux les développer, dites-vous, que la formation, voilà, que d'investir dans un nouveau qui serait privé. Oui. Une autre question, c'est plutôt pour vous, Alain Tariani, mais pas uniquement. Êtes-vous favorable à la mise en place des contrats à impact social en France, voire dans toute l'Europe? C'est des contrats où il y a ces obligations, en quelque sorte, de la part de vos clients, dans les cahiers des charges, de dimension sociale et de dimension RSE, responsabilité sociétale environnementale des entreprises. Je crois que j'ai répondu partiellement tout à l'heure, c'est-à-dire oui, bien sûr, on est tout à fait ouvert, au contraire, on est même moteur et on en assure la promotion pourvu qu'on puisse avoir le juste prix de ces services. Et je pense que la prévention, vous parliez tout à l'heure de la prévention, je pense que ça doit jouer un rôle très important. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'innovations qui se développent. Mais la prévention reste, il me semble, quand même faiblement représentée, à la fois dans le domaine de la nutrition, hein, parce que la nutrition, ça fait partie quand même du soin, et je vois bien à quel point on ne fait pas assez avancer cet aspect-là, que ce soit in situ ou en dehors de l'hôpital. Alors, on parlait du prix aujourd'hui pour la prestation nourriture notamment que vous évoquez, le prix sur le médicament. C'est un grand débat dans lequel qu'on va pas ouvrir aujourd'hui. Mais parmi les obstacles qu'il faut faire tomber, vous dites, profitons aussi de ce que cette crise a montré
pour qu'il y ait une forme d'unicité dans la décision publique autour de la politique générale du médicament. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, ce que je retiens de cette crise, c'est qu'on sort de la crise en parlant de compétitivité, d'attractivité. On s'est dit qu'il faut que nos médicaments soient fabriqués, en tout cas rendus disponibles en France, quelles que soient les circonstances. Et ce « quelles que soient les circonstances », c'est quand même vraiment par là qu'il faut commencer la phrase. Bien sûr. Et c'est intéressant parce que si on reprend finalement notre métier, il n'est pas très très compliqué. Il est de faire de la recherche, de faire du développement clinique, de faire de la fabrication et après ça de faire de l'accès et du bon usage du médicament. Tout au long de cette chaîne, on retrouve le partenariat public-privé. Oui. La recherche, je viens d'en parler, comment faire fructifier la recherche publique et la recherche privée. La recherche clinique, en France, nous étions le premier en matière de recherche clinique européen dans les années 2010. Nous sommes aujourd'hui le quatrième, pour des raisons qu'on connaît très bien, notamment pour des raisons administratives qui sont assez lourdes. Donc là, on voit très bien qu'on a un travail à faire ensemble. Sur le plan industriel, une des raisons principales pour lesquelles une partie de l'outil industriel sur des médicaments nature est partie, c'est pour des raisons de régulation, parce que la régulation qui pesait en France était devenue insupportable pour ces entreprises. Et puis le quatrième aspect, c'est qu'une fois qu'on a cherché un médicament en France, qu'on l'a développé cliniquement, qu'on l'a fabriqué, il faudrait être sûr que ce même médicament soit rendu accessible aux patients français au minimum dans les mêmes conditions que dans les autres pays. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous donne un exemple. De financement. Dans le domaine, aujourd'hui, les délais d'accès aux médicaments en France, pour obtenir un prix, pour qu'ils soient commercialisés, nous nous situons entre la 24e et la 25e place européenne. J'avais le souvenir, 18, c'est 24. On a un petit sujet, il faut 500 sur 27, jours. Quoi. Voilà, donc il y a un petit sujet là. Donc, c'est bien le mot à retenir, c'est celui de la cohérence pour assurer la compétitivité. Alors, Alain Notariani, messieurs, on arrive à... on est à 8 minutes de la fin de cet échange. Je vais passer la parole à Marc Penaud et après, en une phrase courte, je vais vous demander de nous donner votre conclusion sur cette problématique de la coopération, du développement ou de l'antagonisme entre le public et privé. Mais vous vouliez d'abord réagir, Marc Penaud, oui. Le patron du CHU de Toulouse. C'était plutôt en complément, parce que je vais terminer ma réponse tout à l'heure sur la question d'un CHU privé éventuellement. Ce que je veux dire, c'est que sur la base des CHU qui existent aujourd'hui, vont être, par la loi LPPR dont on a parlé tout à l'heure, vont être créés... Pluriannuelle de recherche. Vont être créés des comités de recherche territoriaux qui vont être très inclusifs et qui vont inclure notamment la médecine libérale, qui vont inclure, et ça, ce sera copiloté entre CHU et université dans une approche extrêmement large de la recherche en santé, en lien avec ce qu'on appelle les EPST, l'INSERM, le CNRS, etc. Donc c'est une approche qui est collective et qui répond en grande partie. Il y aura des acteurs privés dans ces comités ? Alors, parce que c'est ça le sujet. L'université, c'est d'y mettre un peu de privé aussi. Ce seront des approches territoriales en application d'une politique nationale de recherche dans une approche intégrée des acteurs principalement publics. Donc essentiellement liée à la recherche du besoin, à la compréhension du besoin. À la compréhension du besoin et puis à la transformation du système de santé parce qu'il sera nécessaire, il est nécessaire que ce soit complètement adossé aux grands objectifs de santé publique. Alors, la conclusion... j'ai commencé par vous, messieurs, et fini par Madame Notariani. Madame Notariani, c'est vous qui êtes la première à conclure cette opposition publique-privée, ou en tout cas cette coopération. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne en une phrase de conclusion de ce débat pour que ça aille mieux demain ? Je pense que, en fait, on a fixé le cadre et l'objectif, c'est la responsabilité des entreprises, quel que soit le statut. Donc, il faut maintenant travailler à déployer toutes ces initiatives. Moi, je crois énormément à l'innovation, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans tous les services qu'on peut développer en ville. Et donc, on a énormément d'expériences aujourd'hui qui marchent, qui sont des services qu'on délivre. Voilà, il faut faire. Il faut faire sur cette base de travailler ensemble parce qu'on travaille à un intérêt qui nous dépasse un peu, qui est celui de faire reculer la maladie en France, de celui de s'occuper de la vie quotidienne. Et c'est un objectif
tellement noble que je pense que tous autour de cette table, en fait, c'est ça qu'on a envie de transformer finalement. On aurait presque envie de s'arrêter là, pardon. C'est pas très élégant pour les quatre autres de la table ronde, mais Thierry Chiche, la conclusion. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on s'arrête sur le statut public-privé, sur les prérogatives des uns, des autres, à mon avis, on est dans le mauvais combat. C'est pas la question, en fait. Notre question, c'est celle qui nous dépasse tous, c'est les patients, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire, c'est de construire, et ce n'est pas le statut des uns, le statut des autres, l'antagonisme, ça c'est tellement facile. Frédéric Collet. Bah écoutez, je pense que l'héritage de la crise qu'on vient de traverser, c'est ce fameux sujet de l'autonomie sanitaire en général dont on parle. Et je pense que je reviens à ce que je disais, il n'y a pas d'autonomie sans qu'il y ait une cohérence de toute la chaîne. Et la cohérence de la chaîne, elle passe par la cohérence des acteurs. On a appris à se parler pendant la crise, on a appris à se mobiliser ensemble de façon extraordinaire, nécessité faisant loi. Je pense qu'il faut continuer de ça. Et surtout, avec quelque chose en tête qui est très important, parce que c'est un grand sujet à la mode pour l'instant, on ne va pas revenir à la normale. On n'est pas dans une boucle. On ne fait pas le tour du stade en revenant au point de départ. On est sur une ligne, sur une trajectoire, et il faut bien se dire qu'il faut qu'on apprenne au fur et à mesure parce qu'on ne va pas revenir au point de départ. C'est la note la plus optimiste de tout ce que vous nous dites tous les cinq, c'est qu'au fond, vous êtes tous persuadés que cette crise a eu une vertu, c'est clair. Philippe Chêne. Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'encore une fois, on a montré à l'occasion de cette crise qu'on était solidaires, qu'on travaillait ensemble, qu'on pouvait faire sauter les barrières. Maintenant, il faut véritablement faire exploser les silos. On a un système de santé efficace, mais qui n'est pas efficient. On est le troisième pays au monde en matière de pourcentage de dépenses de santé dans le PIB. D'accord. Néanmoins, on a un déficit des comptes sociaux qui est significatif. On n'arrive pas à payer correctement nos soignants. On l'a vu à l'occasion de cette crise. Donc, on a un système qui coûte très cher et des soignants qui sont pas suffisamment bien payés, et des indicateurs qui visiblement se dégradent. Et j'ai peur qu'à un moment ou un autre, on se réveille comme en matière d'éducation, avec le fameux classement PISA, après avoir dit qu'on était les meilleurs du monde, on s'aperçoit qu'on est en queue de peloton, en tout cas qu'on n'est pas en tête. Donc c'est le moment où jamais, j'allais dire presque à froid, une fois qu'on a passé cette urgence sanitaire, de véritablement réfléchir tous ensemble, hôpitaux publics, hôpitaux privés, acteurs, dispositifs de médicaux, médicaments, etc., produits de santé et autres, pour réfléchir à la façon dont on va pouvoir mettre en avant la prévention, travailler sur les parcours de soins, faciliter l'accès de l'innovation vers les patients, etc. etc. Je ne veux pas être trop long, mais à mon avis, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui. Merci à tous les quatre, ces mastodontes du privé. Et donc la parole, vous voyez que... Ce mastodonte du public. Voilà, la parole au public pour conclure cette table ronde du CHAM 2020. Soigner, c'est instaurer un lien de confiance entre quelqu'un qui souffre ou qui va vers une dégradation de son état, par exemple une perte d'autonomie, et une équipe. Et ce lien de confiance, il existe depuis longtemps. Et je dois dire que je suis à la tête d'un établissement dans lequel ce lien de confiance est très fort parce qu'il y a des équipes qui sont extraordinaires, médicales et soignantes extraordinaires. Mais soigner, aujourd'hui, c'est entrer dans une approche qu'on appelle holistique, qui est beaucoup plus large. C'est mettre autour de la table et autour de ce lien de confiance entre le soigné ou celui qui peut avoir besoin d'être soigné et une équipe médicale et soignante, des ingénieurs, des biostatisticiens, des industriels, des grandes écoles. Des gestionnaires de données. Voilà. C'est cette approche holistique, c'est celle qui nous permettra, je pense, l'égalité d'accès aux soins, la qualité des soins et la viabilité d'un système qui est financé par la solidarité. Holistique, je vais le dire autrement, tous ensemble, quoi, au fond. Tous ensemble. Hein. Merci, madame, merci, messieurs, à tous. Merci de votre participation et notamment à ceux qui nous ont adressé des questions. J'en ai cité deux au moins. C'était en tout cas, je l'espère, passionnant.